Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entraînement d'échecs sur l'e-chess. On est 2092, donc on a légèrement baissé. On était 2117, ce qui était déjà vraiment bien. Alors, ici, on a une tour et deux pièces contre deux tours et une pièce. On a un déficit de matériel parce qu'en plus, on a en plus de ça un pion de retard. Donc, on a une qualité et un pion de retard. Il y a aussi des menaces de maths. Pas tout à fait. Ça serait pas tout à fait maths encore, mais... Si, ça c'est maths, pardon. Non, c'est pas maths. Parce qu'on pourrait aller là. Mais je suppose que l'idée, ça va être d'attaquer, d'essayer de gagner du matériel. Comment faire ça? Alors, il y a un échec qui a l'air puissant, puisqu'il peut pas prendre notre fou. Échec. Il peut pas non plus aller là ou là. En fait, il a plus qu'une case. On a un échec du cavalier, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Bizarre ça. Comment on continue l'action après? Échec. Il vient là. Ensuite, j'ai pas d'autre choix que l'échec du cavalier, il vient là. Et ensuite, je vois pas trop. Donc, il vient plus exactement comme ça. On peut aussi faire échec comme ça, en fait. Ah. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je pense. Quand il y a un coup de fou possible, très souvent, il y a l'autre coup de fou possible aussi, puisque ça fait un rectangle avec les diagonales. Ça, ça a l'air mieux, puisque ça me permet ensuite de mettre ma tour ici. Donc échec, il peut toujours pas aller là, il peut toujours pas aller là ni là. Il peut... Non, c'est échec. Il peut intercaler sa tour, mais ça fait que gagner un seul coup, après ça change rien à la situation. Donc échec, il vient là-haut. Et juste mat avec la tour. Non, c'est pas mat puisque le... le fou est là. J'ai pas envie de me faire manger ma tour, donc échec, il vient là. Ensuite, que peut-on faire? Faire échec avec le cavalier. Il est obligé de venir là. On peut faire échec avec la tour, il vient là. Ah, et après, échec comme ça. Et est-ce que ça c'est mat? Ah ouais, grâce au pion. On peut pas prendre là. Cette case est contrôlée par le cavalier. Ok. Je pense que j'ai trouvé, je suis même sûr. Donc non, c'est ça. Ah, j'ai mal calculé, c'était déjà mat. Je croyais qu'il pouvait aller là. Et qu'ensuite il fallait faire ça. Qui marche aussi. J'avais oublié que c'était... Que le fou contrôlait aussi cette case. Très bien. Donc c'était un puzzle relativement simple. Alors, quel est le problème avec dame prend f7, échec? Il est obligé d'aller là. Et là, ça sent la fin, non? Après, on peut venir là, il revient là. Pas possible que ça se termine pas très rapidement, ça. Après, on peut faire encore échec avec la tour. Tour prend. Et dame... Ah non, il y a le cavalier. De toute façon, je vois pas d'autre façon de démarrer. Dame ici. Et puis il y a même la dame en fait qui défendait. Donc c'est pas ça à la fin. Ça peut pas être ça. Il faut aussi... Ah, ça peut être. Juste fou ici. C'est mat. Juste fou c7. Pas possible. Bah si. Il est défendu. peut pas aller là, peut pas prendre le fou. Incroyable ça.
Ok. J'avais pas vu du tout que ça faisait maths. Passons au mode normal, de difficulté normale. Alors, ça ressemble à un maths relativement célèbre. Est-ce que ça marche ça? J'ai envie de sacrifier ma tour tout de suite en H8, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Il vient en G8. Et là, est-ce qu'il peut arrêter la menace? Menace dame H7, dame H8. S'il vient là, il perd une. En plus, exactement, s'il vient là, il perd sa dame. Donc, tac tac. Je peux venir là tout de suite. Tac, tac. Je peux pas faire d'échec pour me distraire. Donc ça doit être ça. Est-ce qu'il y a une différence entre venir au deuxième coup dame H5 ou tour H1? Ah, plutôt tour H. Ah non, c'est pareil, hein. Dame H5, il vient là, tour H1. Ou alors tour H1. Est-ce qu'il peut faire d'autre? Il peut donner son fou, il peut donner sa dame. Ok. Intéressant. Donc si on analyse, est-ce qu'il y avait une différence? On va faire chauffer le CPU. Non, c'est pareil. Ok, hop. Suivant. Alors, on a toutes nos pièces qui sont dans l'aile dame là, c'est assez intéressant. On a ce pion là qui a attaqué 3 fois et défendu 3 fois. On a ce pion là qui n'est pas défendu du tout. Merde, non, 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 mais j'ai pas voulu déplacer. Oh, c'est pas possible. Je vais tracer une flèche. Ok, bon. Le cavalier, il est défendu 4 fois et il a attaqué 4 fois aussi. Non, c'est déjà que ça, c'est pas la bonne réponse. Bon, je peux prendre le pion, mais je suppose qu'il doit y avoir quelque chose de plus dévastateur. Pour une fois, c'est pas un calcul de maths. Moi, je prendrais bien le pion là quand même, parce que ça cloue quand même ce cavalier.
ensuite je peux prendre ce pion là. Donc c'était bien ça. Et après... En fait, j'avais pas compris grand chose, puisque en fait, l'idée c'est qu'il prend mon cavalier. Donc, je trouve une façon. Ah non, si je viens là, elle peut pas le prendre, puisque je prendrai la tour. Donc, non, c'était pas ça. Et je vais trop vite. Ça m'a perturbé cette histoire de cavalier. Je voulais pas cliquer là. Ah, attendez, est-ce que je peux pas prendre ce pion là? Je pense pas en fait, parce que s'il reprend là, d'accord, ça marche pas, mais... S'il prend avec la tour... Si on met pas la dame ici, je vois pas où la mettre. Je prends ici, s'il prend avec la tour, je prends, il reprend avec le cavalier, après j'ai échec, et je récupère le cavalier, mais j'ai quand même perdu une tour contre deux pièces. De toute façon, je perds plus rien à essayer maintenant. Hein.
et à bientôt.